Je suis ton frère, Elisabeth. Si c'est pas moi qui te dis la vérité, qui le fera? Franchement, après 3 mois de mariage, je trouve ça prématuré. C'est mon problème. Tiens-lui la haute voix. Hein? Je t'en prie, je veux l'entendre. Mais pourquoi? Je veux entendre l'effet que ça va lui faire. Tu peux me rendre ce service, non? Non, d'accord. Oh. Mon chéri, cette lettre ne te surprendra peut-être pas tant que cela. Très simplement, quand tu la liras, je serai parti. Oh. Comme tu l'as dit un jour, je suis une femme qui a un immense besoin de lévrier. De l'ébruité. De léviter. De liberté. Ah oui, c'est ça. Un immense besoin de liberté. C'est pas une lettre des plus faciles à écrire, mon chéri. Bah, c'est pas une des plus faciles à lire non plus. Alors, pardonne ma maladresse. Si seulement j'avais eu le garage. Ça doit pas être ça. Hein. Le courage, mais c'est pourtant clair. Et pas clair du tout. C'est un G, ça. Mais non, ça c'est un G, ça c'est un R. On dirait plutôt un P. D'accord, d'accord. C, O, U, R, A, G. C'est mieux? On dirait carnage maintenant. Si seulement j'avais eu le carnage. Le courage de t'affronter pour te dire en face que je t'aime, que je t'aimerai toujours, et que ton souvenir restera toujours en moi. Au revoir, Elisabeth. Vous formez un couple épatant, Bernard et toi. Ils te vénèrent en plus. Sans blague, hein? Ça me vénère, c'est sûr. C'est bon, très rapidement, ça devient pressant. Passe-moi l'expression, mais c'est chiant. Voilà, c'est très chiant. Bon, je t'en prie. Je peux rien faire de normal. Je me planque dans la salle de bain pour me gratter, figure-toi. Non. Et si jamais j'ai envie de roter, alors là, je suis obligée de me tirer à la cave. Oh, je le voyais pas comme ça. Mais regarde où j'en suis. Des somnifères. Quand je dansais, je dormais n'importe où, n'importe comment, comme une bûche. Quand je deviens folle si je reprends pas le métier. Ta danse? Tu veux autre chose? Et tu as pensé aux autres? Quels autres? Eh ben tout le monde, des gens comme moi. Bernard est sur le point de me prêter de l'argent pour mon magasin de Carnac. Ton magasin de pêche? Oui. Mais c'est complètement ringard comme idée. Tu vas végéter dans une boutique à vendre des asticots, toi. Oh, caricature pas, hein. Si on le fait sincèrement, la pêche, c'est une façon de vivre. En fait, on est assez proche du yoga. C'est sûr. Pour moi, ce magasin, c'est le début du paradis. Dès que j'ai acheté le local et récupéré Martine, je mets les voiles. Martine? Oui. C'est pas terminé? Non. Mariage? Possible. Elle a quand même pris la fuite la dernière fois. Eh ben, merci de me le rappeler. Marc-André, si j'étais toi, j'oublierais cette fille. Oui, ben moi, je me passerais de ton opinion sur le mariage, hein. Surtout aujourd'hui. La vie à deux, c'est un marathon, pas un sprint sur 3 mois. Baraque, je la déteste. Elle est trop grande. Faut vraiment être Bernard pour pouvoir acheter ça. C'est plein de courants d'air. Ça fuit, ça pue. Je crois que c'est toi qui voulais y habiter. Moi? Bah, t'as toujours rêvé d'être châtelaine.
Oui, mais là, c'est sinistre, hein, je te jure. Ça fout les jetons. Et le fantôme, tu l'as déjà vu? Oh, sois pas con, tu veux. Même les domestiques veulent pas rester. La mère Prévost vient de se barrer. La mère Prévost s'est barrée? Ouais. Elle a fait sa valise, elle est partie ce matin, sans laisser un mot. Il y a des jours comme ça. Qu'est-ce que ça le prix, cette bonne femme? Puis moche en plus. Ouais. Oh. Je voulais pas te le dire, mais y a Martine qui revient. Martine quand? Aujourd'hui, dans le train de Paris. Alors bouge-toi! Mais pourquoi est-ce qu'elle revient? Elle venait de retrouver ses libertés. Ah, parce que filer avec le serveur espagnol du Capucin Gourmand, le jour du mariage, t'appelles ça trouver sa liberté, toi. Elle a pas eu le choix, de toute manière. Hein. Ils lui ont jeté un billet, ils l'ont mise dans le train. Qui il? Bah, deux policiers, mais femme flic. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais une horreur! Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais rien, une histoire lamentable. Tout le monde est moche. Hein. Elle était, on a parlé de plainte pour racolage. Racolage? Présomption, deux. Il n'y a aucune preuve, aucune. Mais elle a fait ça où? À l'hôtel ou carrément rue Saint-Denis? J'en sais rien, puis qu'est-ce que ça change, hein? Cette pauvre môme a été arrêtée pour présomption de racolage. Ça suffit, je pense, non? Oui, d'accord. C'est l'erreur que j'ai faite avec Martine. Mais avec elle, au début, les choses n'étaient pas claires. D'ailleurs, peut-être ne le sont-elles toujours pas. Possible. C'est drôle, la vie, non? Hein? Oh mon Dieu, je me suis endormie. Toi aussi? Oh, j'étais là, je t'écoutais avec intérêt, puis je me suis endormie, excuse-moi. Okay. Allez, tu disais? T'excuse pas. Ça m'arrive tout le temps, ça. C'est curieux, dès que je me confie aux gens, il s'endorme. À ton avis, c'est ma voix ou alors c'est moi qui ennuie? Qui est-ce? Ah, aucune idée. Va voir. Débarrasse-t'en. Hein. Et surtout, dis pas que je suis là. Ok. Oui. Oui. Non. Oui. Excusez-moi. Je m'appelle... non, je viens de chez Legrand, Lebert et... comment déjà? Comment? Excusez, Michaud, c'est mon nom. Je suis ici de la part de M. Sinievski, qui est tombé malade, voyez, pas gravement. Alors je suis ici à sa place. Mais qui est Sinievski? Ah, c'est M. Labarge, je le connais. Vous êtes M. Labarge? Non, moi c'est M. Basset. Bien, excusez, M. Basset. Eh bien, il est... Enfin, M. Sinievski fait partie du cabinet Lebert et Sinievski. Non, pardon. Oh, Legrand, Lebert et Sinievski. Et j'en fais aussi partie. Et vous êtes attendu? Oui, c'est ça. Dans ce cas, entrez et puis asseyez-vous là-bas. Bien, merci. Bien, merci infiniment. Excusez de vous avoir... Excusez-moi. M. Labarge ne devrait pas tarder. Mettez-vous à l'aise. Oui. Qui est-ce? Un type du cabinet Legrand, Lebert et quelque chose en ski. Non? Ce sont les notaires de Bernard, tu ne l'as pas fait rentrer? Bah, bien obligé. Tu lui as dit que j'étais là? Bien sûr que non. Maintenant, tu m'écoutes bien. Tu vas chercher Martine, tu la ramènes ici et tu la laisses. Et puis tu m'accompagnes à la gare, ensuite tu reviens trouver Martine et tu attends Bernard. Ok? Bon, fais vite, il revient dans 2 heures. Non, j'ai réservé 2 chambres au Globe. Mais enfin, Martine pourra dormir au grenier, dans la chambre de la mère Prévost. Puis toi, si tu tiens absolument à faire chambre à part, je te fais un lit à l'étage dans la chambre marron foncé. Sans façon. C'est la moins humide. T'en veux une autre, t'en prends une autre. Il y a le choix, hein. Il y a la marron foncé, la marron tachée, la marron moisie, la marron sale, la marron bordeaux et la marronasse. Merci, mais je préfère le Globe, hein. Très bien, Marc-André. Mais je vais te dire un truc. Ni toi ni personne m'empêcherait d'être libre. Tu m'entends bien? Rien ni personne. Mais pourquoi tu t'énerves? Je te laisserai pas foutre là ma carrière, ça jamais. Tu racontes? Tu sais faire ça? Hein? M'en fous complètement, moi. Et ça? Et ça? Hein? Et ça? Et encore, là, je suis à froid.
Et voilà. Alors, si t'es pas là, quand Bernard ira la lettre, bah, tu peux faire une croix sur ton magasin de Carnac. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que j'en suis sûre. C'est vraiment mieux que t'aies une clé de la maison. Bon, d'accord. Tout va bien? Oui, excusez, merci. Bon, je pars, là. Oui? Excusez-moi, je voulais seul dans la maison, mais faut que j'y aille. Ah oui? Très bien. Sur la barre, je devrais pas tarder, hein. Au revoir. Oui, au revoir. Merci. Chérie, je suis là, je suis rentré. Chérie. Et qui êtes-vous, vous? Bonjour, je suis... Vous êtes monsieur Labarge? Labarge, c'est moi, oui. Excusez, je... voyez-vous, monsieur Sinievski... Sinievski? Je ne suis pas monsieur Sinievski. Je... Attendez, chez qui vous êtes? Monsieur Lannemand m'a téléphoné de chez monsieur Barbeau, vous êtes monsieur Michaud. Voilà. Parfait. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais je me suis souvenu brutalement que j'avais rendez-vous ici. Vous avez tout apporté? Ah oui, 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 j'ai... Bien, épatant. Vous étiez aussi dans le noir pour une raison quelconque que... Non, enfin, je cherchais la... Vous préférez garder votre impaire? Hein? Ah. Alors mettez-le dans l'entrée. Oui. Scotch, gin, vodka, martini, qu'est-ce que je vous sers? Mais non, c'est-à-dire... Vous êtes partant pour un scotch? Allons-y pour un scotch. Un prévôt! Madame Prévost, des glaçons, s'il vous plaît. Madame Prévost! Mais où est-elle, cette bonne femme? Pas un rat dans cette maison. Je crois qu'il n'y a personne. Sauf moi, bien sûr. Vous dites? Personne sauf moi dedans. Ah oui. Et comment êtes-vous entré? Eh bien, un homme m'a fait entrer. Un homme? Quel genre d'homme? Ah, genre... grand, comme ça... Et où est-il, maintenant? Il est sorti juste avant votre arrivée. Étrange. Et vous n'avez pas vu ma femme? Ah, non, non, je ne crois pas. Bon, si vous aviez vu ma femme, vous en souviendriez, je vous le certifie. Hein? Une petite femme brune avec des lunettes, un gros pif et coiffée comme un pétard? Non. Est-ce madame Labarge? Non, vous rigolez. Non, non, c'est la bonne. La mère Prévost. Ah, d'accord. Ça vous embête, sans glaçon? Non, 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 non. Prenez un cigare. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il a, Sinievski? Des brûlures. Il s'est brûlé? Non, brûlures, des brûlures d'estomac. Tu parles? Ça l'emmerdait de se déplacer, oui. Oh, ben non, mais c'est-à-dire que... Ou alors, il s'est remis à la bibine. Je le connais, Sinievski. Peut-être pas de la glace. Ah bon? Ça fait combien de temps que vous travaillez chez Sinievski? Oh, depuis deux mois et demi. Vous êtes clair, quoi. Non, enfin, je suis leur nouvel associé. Ah? Ah, tiens. Enfin, une sorte d'associé stagiaire, quoi. Voilà. Noyez-le avec de l'eau si ça vous chante. Moi, personnellement, j'évite. Non, merci, je ne préfère pas. Bravo. À la vôtre, mon petit. Oui. Ça vous dérange de me donner un petit coup de main? J'ai le coffre plein de bûches. Excusez-moi, c'est idiot ce que je vais vous dire, parce que le monsieur qui m'a fait entrer m'a dit que la maison était vide, mais j'ai constamment l'impression d'entendre des bruits au-dessus, comme si on marchait. Ça doit être le fantôme. Le fantôme? Il paraît que le gars qui a fait construire la maison a fait faillite et qu'il a vendu à bas prix une bonne femme, qu'il a transformé en bordel. Ah, c'était un... Ah, ici même, oui. Non, mais attention, un très chic, hein.
Ça, c'est la partie véridique de l'histoire. Maintenant commence la légende. Une des filles se serait querellée avec un client qui l'aurait transpercé avec sa canne épée. Déplaisant, oui. Bon, elle meurt, scandale épouvantable hein, dans toute la région. La maison est fermée. Et quand, 10 ans plus tard, le domaine est revendu, ben, on dit que cette pauvre fille, elle a pu transpercer. Là. On dit qu'elle se serait mise à rôder dans les parages. Bon sang. Non, mais attendez, c'est pas fini. Et on raconte encore que si vous lui plaisez, elle se glisse dans votre lit. Logique, hein. Vu le métier qu'elle exerçait. Et le seul ennui, c'est que si elle tombe amoureuse de vous, au matin, vous êtes mort. Ah oui? Elle doit extraire sa vengeance, je suppose. Pardon? Non, exercer sa vengeance. Certains disent exercer, moi je dis extraire. Ah oui. Enfin, tout ça, c'est des conneries, mais c'est une histoire marrante à raconter. Oui. Allez. Vous êtes venu en voiture? Non, par le train. Vous restez pour la nuit? Oui, j'ai retenu à l'hôtel du Globe. Oh là là! Vous auriez dû descendre au Capucin Gourmand. Ah bah oui, c'est l'étude qui paye, alors. Ah, c'est sûr, le Globe est pas cher. Normal, avec le bruit d'enfer qu'il y a sur la rocade. Ah bon, il y a du... Vous fermez pas l'œil de la nuit, ça je vous le garantis. Mais j'ai mes boules qui est. On remet ça? Non. Allez, je vous sers. Puis j'ai horreur de boire seul. En plus, le restaurant est ignoble au Globe. Bon, écoutez, parlons à faire un petit instant, vous voulez oui. bien? Oui. Ce type Rouquet va arriver d'une minute à l'autre. Je vais demander de passer vers 19h. C'est le vendeur? Oui, c'est ça. Entendons-nous bien. J'ai décidé d'acheter cette maison pour ma femme. Mais on va peut-être le faire mijoter un peu, hein? Je vois. Vous devez penser que je suis malade d'acheter ça. Mais laissez-moi vous dire une chose, Michaud. Je place au-dessus de tout la famille. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Votre famille est ici, c'est cela. D'ici. Non, c'est la famille de ma femme. Ah, je vois. Mais vous ne vouliez pas habiter là où vous avez grandi? J'ai grandi à Djibouti. Ah, je vois, oui. Ça fait un peu loin pour le train de banlieue du lundi matin. Oui. Non, cessons de tourner autour du pot, Michaud. J'ai gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui. Ah, si vous préférez, en d'autres termes, j'ai réussi dans la vie. Oui. Non, et puis merde, pourquoi ne pas le dire, hein? J'ai admirablement réussi. C'est cela. Et soyons francs, les gens qui ont très bien réussi doivent habiter de très grandes maisons. J'ai raison. Ou bien j'ai tort? Non, pas non, 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 non. Sinon, ça vaut pas le coup de réussir, non? En effet, fait. Donc, cherche dans le coin, je fais un peu le tour et je tombe là-dessus. Le domaine de Rancogneux complètement isolé. Bien entendu, personne n'en veut, je l'obtiens pour 3 fois. Hein. Vous connaissez la suite? Bien sûr, j'ai lu le... Merde, oh, la trappe, cet abruti de mère Prévost a refermé la trappe. Oh, merde! Bon, alors, il y a des travaux, c'est sûr. Oui. Alors, ce type Rouquet, le propriétaire, là, il est aussi entrepreneur. On va la frapper avec les travaux. Tout est OK sur le plan juridique? Oui, il faut seulement vérifier le paiement du non-crédit. Le vérifiement du vendeur. Excusez, de l'acheteur, à crédit. Pardon, je n'ai pas tout à fait... Excusez, j'ai la finalisation contractuelle. Les contractuels finalisés. Plutôt les contrats qui sont prêts. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'habitacle, d'obstacle, c'est cela, à la signature et au paiement de l'ensemble. Oui. Oui, je vois. Excusez ma question. Vous êtes employé à plein temps à l'étude? Oui. Tiens. C'est un début, hein? Et vous employez à plein temps? Oui, pourquoi? Il y a quelque chose qui ne... Non, c'est simplement que... Ben, si je peux me permettre de vous dire, aux yeux d'un profane comme moi, vous ne semblez pas disposer d'un esprit particulièrement juridique. Enfin, ça n'est qu'une première impression. Eh bien oui, d'habitude, je suis plus sur les papiers. Mon travail, c'est les papiers. Les papiers. Ah, vous voulez dire les dossiers? Oui, c'est ça.
Voulez-vous une cacahuète? Hein? Ou bien plutôt une olive. Mais... Oui, une olive. Même Prévost! Mais où est-ce qu'elle peut bien être, cette emplâtrée? Excusez-moi, hein, c'est vraiment bizarre, il y a des fantômes dans cette baraque. Je vais voir si j'ai pas des cacahuètes dans le billard. Ça doit être OK. Soyez gentil, faites-le entrer. Oui, monsieur Labarge. C'est la Margelle, je suppose. Moi, je suis Michaud. Excusez-moi, Serge Roquet. Ah, Brice Michaud. Et pas courant, Brice. On va prêter la nouvelle Yamaha, la XT600. Ça arrache. Ah bon? Je peux vous aider? Non, non, merci, ça ira. Ah, vous êtes monsieur Roquet. Entrez, vous buvez quelque chose? Ah, je ne dis pas non. Très heureux de vous rencontrer enfin, monsieur Labarges. Ah bien, un petit scotch? Malheureusement, il y a pénurie de glaçons en ce moment. Petit porto, si ça vous fait rien, monsieur Labarges, hein, si vous en avez, hein. On était en train de parler du fantôme de la maison. Ah oui, elle est à la rouge. Ah bon, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui, enfin, dans le pays. En tout cas, je peux vous dire que moi, je ne l'ai jamais rencontré. Sincèrement, je doute que quiconque l'ait jamais rencontré, monsieur Labarges. Tout ça, c'est des vieilles légendes pour amuser le touriste, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur Michaud. Eh oui. Allez, y en a assez. J'en prends jamais, j'ai pas l'habitude. Ah oui, oui, ça ira. On n'a plus besoin de s'arrêter pour faire le plein, hein. Monsieur Michaud est mon Monsieur Michaud représente mes notaires. Pour être sûr qu'on fasse ça à la loyale? Pas vrai, monsieur Michaud? J'espère. Bon, mais si on commençait par le tour du propriétaire? Comme vous voudrez, monsieur Labarges. C'est vous qui décidez. Labarge, tout court. On ne prononce pas le S final. Ah, c'est Labarge. Comme une grosse barque, quoi. Mais Labarge. D'accord, excusez-moi. Vous nous suivez, Michaud? Bien sûr, si vous voulez. Ah, attendez-moi, je reviens. Vous en faites pas, on fera ça avec l'eau. Oui. Les chauffe-eau. Pardon? Labarge. Il a fait sa fortune dans les chauffe-eau. Ah, vraiment? Il fait du chauffe-eau de 46. Il fournit tout le monde. Particuliers, collectivités locales, industrielles, etc. 8 chauffe-eau sur 10 sont fabriqués par Labarge. Chaque fois que vous prenez une douche ou que vous vous lavez les mains, c'est Labarge qui se bourre, en quelque sorte. Ah bon, il se bourre? Tu parles? Ah, il fait du chiffre, le salaud. Voilà, j'y suis. Justement, je disais l'autre jour, monsieur Labarge, que le domaine de Rocogneux attendait qu'un homme comme vous lui restitue sa gloire passée. Hey, gloire passée? De quoi il parle, là, Michaud? N'espérez pas que je vais rouvrir le bordel, quand même. Non, non, on peut pas demander ça, non. Non, non, je voulais simplement dire qu'une fois la propriété achetée, un homme de votre capacité... Du calme, Roquet, précipitons pas, personne n'a encore rien acheté, vous m'avez pas entendu acheter quoi que ce soit, Michaud. Ah non, ah non, ah non. Si on prend les choses au pied de la lettre, effectivement, seulement... Seulement, il y a de l'argent à ramasser. Bah oui, quand même. Et tant qu'il n'est pas dans votre poche, il est toujours dans la mienne. C'est sûr, c'est sûr. Et il y a loin de la plume au chèque. Oui, de la coupe aux lèvres, comme on dit. Bon, blague dans le coin. Ce que j'attends de vous, monsieur Roquet, c'est des conseils en tant qu'entrepreneur. Oui, bien sûr. Vous êtes le meilleur de la région, du moins on n'arrête pas de me le dire. Alors, si vous pouviez me donner quelques conseils gratuits... Je serais ravi. J'ai fait venir des experts, bien sûr, mais c'est l'homme de terrain qui m'intéresse toujours. Comme disait mon père, si tu veux savoir l'heure, perds pas de temps avec un flic, va te trouver un horloger et achète-toi une montre pendant que tu y es. Oui, c'est logique. Allons-y, on commence par la toiture. Comme vous voudrez. Je suis très heureux qu'on vous ait parlé en bien de la maison Roquet. Merci. Pardon. C'est drôle, mais je vous voyais beaucoup plus âgé. Ah, vous devez confondre avec mon père, Raymond. Pourquoi vous n'êtes pas Raymond? Ah non, je suis Serge. Serge Rouquet. Vous êtes Serge Rouquet? C'est ça. Eh ben, mais où il est, Raymond Rouquet? C'est de lui dont tout le monde m'a parlé. Qu'est-ce qu'on fout, là, avec Serge Rouquet? On est nombreux, c'est-à-dire... Serge Rouquet, c'est moi, et puis il y a Henri Rouquet, mon frère. Didier Rouquet, c'est mon cousin, mais alors lui, spécialisé dans les alarmes. Bien sûr, il y a Jeanne Rouquet, ma mère, et puis il y a Virginie. Oui, bon, d'accord. Non, parce que mon expert a de gros doutes sur la toiture. Il faut s'attendre à un peu d'usure avec ces vieilles bâtisses. Non, l'usure, c'est rien, c'est la moisissure qui m'inquiète. Autant où ça va,
On va bientôt pouvoir ramasser des champignons. Pas chez toi? On sera beaucoup mieux reconnu, c'est plus calme. Hein? Ta mère va pas m'en recevoir. Quelle vieille peau. Tu ne sois pas injuste avec maman. À la mauvais caractère, c'est sûr, enfin, à la bon fond. Puis ça va pas être drôle tous les jours d'être belle, tu sais. Surtout quand on a été belle. C'est pas de ma faute si elle pèse 140 kilos, hein. C'est pas une raison pour gonfler tout le monde. Martine, ne nous lançons pas sur ce terrain, je vais m'énerver. Et voilà, tu recommences. Excuse-moi. Pourquoi t'as l'air crevé? Mais tu vas avoir du bon air, une bonne nuit de repos, un bon bol de lait frais. Le lait, ça me fait rendre. Puis j'ai même pas mes affaires pour dormir. Ah, mais si. J'ai toujours ta valise. Celle du voyage de noces, elle est dans le coffre. J'ai pas pu la sortir, j'avais trop le cafard. Et regardez l'état du sanitaire ici. Oh bon? Qu'est-ce qu'il a? Ouais, non, robinet du lavabo. C'est voilà. Coquet, non? Bah, tout le reste est à l'avenant. En effet, c'est peut-être un peu ancien. En tout cas, la solive est parfaitement saine. Oui, sauf que le toit fuit par ici. Ça va s'arranger vite, ça. Ce qui me dépasse, c'est pourquoi vous ne l'avez pas réparé quand vous avez acheté la maison. Au début, on était surtout intéressé par le terrain. Eh, allez donc, pas de lumière. Ah, ça, c'est la mère Prévost qui me fauche les ampoules. Si, il me semble qu'il y a une lampe là sur cette table. Hein? Attention. Voilà. J'avais noté un truc pour ici, là, c'est. Ah, oui, le plancher, regardez. Ah, vous voyez ce qui se passe, là? Ça, mais c'est la souplesse naturelle du plancher, c'est tout en bois. C'est avant le tout acier. Eh ben, venez sauter par là, moi je vais sauter ici. D'accord. Vous voyez, alors ça risque de casser à tout moment, là où se tient Michaud. Ah bon? Possible, vous avez peut-être raison. Ben, je n'aime pas ça du tout, ok. Oui, ben, on va s'en occuper, pas de problème. Ça vaudrait mieux. Notre chambre est en dessous. Je dois pas que la bonne me tombe dessus quand je suis au lit. En effet, ça serait embêtant. Allons voir au premier. On va jeter un coup d'œil aux chambres marron. Comment trouvez-vous ces dégradés de couleurs? Vous voulez dire que c'est vous qui avez choisi de mettre du marron partout? En fait, c'est une idée de ma sœur Virginie. Elle voulait donner un effet automnal. Ah, c'est très réussi. On dirait les grottes de Lascaux. Non, vous serez gentil de faire évacuer les sangliers qui sont dans les douves. C'est une infection. Pas de problème. Bernard va peut-être m'envoyer de l'argent pour le magasin. Ça me permettra de quitter le supermarché où je suis complètement sous-estimé. Tu vas voir, on va le lancer, ce magasin de pêche. Et si ça roule au bout d'un an, on s'agrandit. On peut monter un département planche à voile, une crêperie. Ça dépendra de ma capacité à convaincre Bernard. Tinou. Tu dormais? Ah, excuse-moi. C'est comme un rond, tout d'un coup, je me suis sentie attirée par le fond, comme une pierre. Comme un rond, hein? Déchons-nous avant que ça tombe. Pourquoi la fessie? Non, non, vous dites rejointer. Moi, je dis rebâtir, puis n'ayons pas sur les mots, Rouquet. Franchement, hideuse couleur. Absolument hideux. Oui, c'est peut-être un peu sombre. Elle est redoutable, cette pioule. Ça sent moisi. Ah, tu trouves? Moi, je sens rien, moi. Mais surtout, c'est très calme. Hein? Oh, là, tu vas te reposer magnifiquement, il n'y a pas de bruit. Bon, je fonce déposer Babou et je reviens. Hein? Je t'aime. Ouais. Salut. Et comment va Madame Labarge? Je n'ai pas eu encore le plaisir de la voir. Elle allait bien, aux dernières nouvelles, mais je sais pas du tout où elle est en ce moment. Elle est danseuse, à ce qu'on m'a dit. Était terminée, tout ça. Elle faisait partie d'un ballet? Ballet, oui. On peut appeler ça comme ça. Elle dansait à la télé. Bah, bref, elle a fait une pub pour ma boîte. Bah, vous vous souvenez, cette pub irrésistible? Sur les baignoires pliables dans les camping-cars. Bah, la fille nue qui était dedans. Oui, c'est elle, c'est ma femme. Bah, je l'ai épousée. C'est formidable.
Mais, bon, en fait, de toute façon, elle n'a rien à regretter. Hein. Comme danseuse, j'ai toujours trouvé qu'elle était en retard sur les autres. Vous venez? Elisabeth? Elisabeth? Je te cherchais. Grouille-toi, crétin. Bernard est pas rentré, la lettre est toujours là. Mais c'est, il est là, il y a sa voiture, et puis je l'ai entendu. Ah bon? Bah, en tout cas, il y a personne pour l'instant. Alors, c'est à qui cette moto? Ça? Et là. Oh la vache, une Yamaha. Qui sait tout de même pas acheter une moto, déjà que c'est un danger public en voiture, alors là. On y va, oui? Je vais rater mon train. Oui, bah ok, ok. En tout cas, ce plan chassis me paraît impeccable. Ouais. Ah si! Ah si! Très stable! Par contre, le gros problème, ici, c'est encore la plomberie. Écoutez bien, je vais faire couler le robinet de la baignoire. Écoutez bien, hein. Ah, vous entendez quelque chose? Non. Et vous? Non. Eh ben, mettez l'oreille contre le sol, vous allez être servi. Vous avez entendu? Très, très faiblement. Là, venez ici. Là, Michou, là, là. Attendez, là, ça gargouille. Possible. Ça vient peut-être d'un estomac. Non, pardon. Rien. Bon, venez, Rouquet, jetez un coup d'œil dans la salle de bain. Regardez la couleur de l'eau. Regardez la couleur de l'eau. Oui, elle est un peu jaune. Vous appelez ça jaune, vous? Il faut laisser couler. Ouais, c'est joueux, c'est joueux. Puis ça ira comme sur des roulettes. Mais j'espère bien, hein, parce que si on peut pas avoir d'eau dans cette salle de bain, alors autant foutre le feu et se tirer. Ça va pas, Michaud? Non. Oh, enfin, si, j'entends des bruits. C'est le ballon, on s'en occupe. Descendons boire un coup, ça va vous remettre. Excusez, il y a une lettre. Quoi? Là, j'ai l'impression qu'il y a une lettre pour vous. Une lettre pour moi? Oui. Merci. Voilà, le dernier sentier est un. Juste un petit fond cette fois-ci. Pas très bavard, le petit Michon. Non, bah remarquez, c'est pas plus mal, hein, parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je comprends pas un traître mot de ce qu'il dit. Franchement, hein, je me demande où Sénievski l'a déniché. Curieux comme choix. Non, mais il est très gentil, mais enfin. S'il était avocat, j'aimerais pas dépendre de lui aux assises. Parlons franc, il a pas dû inventer l'eau chaude. Un petit verre avec nous, monsieur Michon. Non, merci, non. Non, merci, je. Ah, vous étiez là, vous? Ah, justement, je parlais de Sénievski. Votre verre, Michaud. Non, 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 merci, merci infiniment, mais là, ça ne serait pas raisonnable. On vous demande pas votre avis. Ah bon? On va pas polémiquer pour un petit verre, je le dis toujours à ma femme. Un homme qui peut pas boire un verre après une dure journée de travail, c'est un homme foutu. Ça, c'est évident. D'ailleurs, c'est valable aussi au milieu d'une dure journée de travail. Au début, ou même aux trois quarts.
Qu'est-ce que ça peut bien foutre un petit verre? J'aime autant vous dire qu'après un verre ou deux, il y a des types qui sont beaucoup plus performants. Enfin, moi, je suis de ceux-là. Allez, à la vôtre. Merci. Ah, ça fait du bien. Il est bien, ce GB, hein? Il y en a qui disent GB, moi, je dis GB. Bah, dites donc, on va peut-être avoir besoin de mon chéquier, vous croyez pas? Eh ben, ça se pourrait. Hein? Ouais. Bah, je vais y aller, je vais le chercher. J'ai pris la moto. Oh là là, casse-gueule ces machines-là. Et vous êtes en voiture? Non, je suis venu à pied. Plus la gare? Non, moitié-moitié, l'une à pied, l'autre en car. Non, je vous aurais bien ramené, seulement j'évite de conduire le soir. Les gendarmes sont très, très emmerdants dans le coin. Certains disent tortillon, moi je dis emmerdant. Non, parce qu'ils m'ont déjà arrêté 5 fois le mois dernier pour me faire souffler dans le ballon. Alors, merci bien. Allez, je m'en jette un petit coup pour la route. Et vous savez où il est descendu, Michaud? Au Globe. Non. Oh, mince! Je suis désolé. Vous l'avez niqué? Oh, vous avez fait une sacrée entaille, hein? C'est rien, c'est rien. Mon oncle René, tapissier, il va vous arranger ça en 2 coups de cuillère à peau. Ben, y a intérêt. Parce que le billard est à moi, c'est la seule chose qui n'était pas pourrie dans cette baraque. D'accord. Ben, vous seriez descendu au Capucin Gourmand, je connais Madame Lefort. Vous lui auriez dit, je viens de la part de Raymond Rouquel, vous aurez drôlement bichonné. La bouffe est immonde au Globe. Mais ça ne fait rien, j'ai mes boules qui est-ce. La décoration, ma femme s'en charge. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Il y a cette lettre, c'est peut-être elle qui... Pardon? La lettre, là. Ah, ben oui, la lettre. Il va y avoir un problème avec la mère Prévost. Tiens, 6 contre 1 que c'est elle. Babou n'est pas là pour le moment. Mais c'est très indiscret ce que vous faites. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle est ouverte, non? Oh, mais enfin, mais... Et Loulou? Nom de Dieu. Génial. Bon sang, c'est la tuile. Quel est le problème? Oui, écoute, Pilou, je crois qu'on est sur un gros pépin. Excusez-moi un petit instant. J'ai Pilou Weyenberg au bout du fil. Soyez gentil, Michaud, je tiens un coup d'œil sur la lettre. Qu'est-ce qu'elle dit? La lettre de quoi? La lettre de ma femme sous votre nez, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle vous fait une surprise et qu'elle revient bientôt. Ah bon, très bien. Oui, Pilou, excuse-moi, je t'écoute. Mais pourquoi vous l'avez dit ça? C'est pas ce qu'il y a écrit là, hein? Dedans? Oui, d'accord, c'est pas exactement ça. Il y a nous, on doit là. Mais c'est pas ça du tout, elle écrit qu'elle le quitte! Chut, monsieur Michaud, s'il vous plaît, mais la femme de ce type le quitte! Monsieur Michaud, je peux placer un mot. Mais enfin... Je vous en prie, monsieur Michaud. Mais quoi? S'il vous plaît, monsieur Michaud, écoutez. Oui, oh, bah, tu sais. Je suis sûr que vous avez le sens de la famille. Moi, pourquoi? Parce que moi, je l'ai. J'ai de grosses responsabilités, monsieur Michaud. J'ai une famille nombreuse, avec des bouches à nourrir. Vous me suivez? Non, pas du tout. Oui, depuis que mon père a pris sa retraite, l'image de la société en a pris un sale coup. C'est très triste, mais qu'est-ce que cela a à voir avec... Il s'agit de petits-enfants, monsieur Michaud. Des adolescents, de vieillards, des employés. Vous me suivez? Non, pas du tout. Si je ne fais pas cette vente, si je n'encaisse pas ce chèque, Rouquet et fils, c'est foutu. Voilà le problème, monsieur Michaud. Oui, c'est peu probable qu'il signe après avoir lu ça, hein. C'est sûr. Bah, attends, 30 secondes. Oh, eh bien, il s'agit de petits-enfants, Brice. Oui, mais j'ai compris, on n'est pas besoin de me le répéter sans arrêt, hein. Oui, oui, c'est ça. Je vous demande simplement de ne rien dire avant qu'il ait signé. Oui, mais non. Je veux dire, en tant que juriste, je ne vais pas, je ne peux pas. Non, ce n'est pas... Bon. Non, vraiment pas. D'accord. Je suis désolé, mais non. D'accord, à demain. Très bien, Michaud. En cas de catastrophe, vous saurez qui est responsable. Mais enfin, je ne peux tout de même pas. C'est difficile. Ah. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Hein? Quoi? J'ai l'impression qu'on est à court de Porto.
Ça n'a pas d'importance, monsieur Labarge. Parce que moi, dès qu'on a signé, j'y vais. Je vous laisse un instant avec monsieur Michaud pour discuter les détails. N'est-ce pas, monsieur Michaud? Vraiment, je... Oui, d'accord. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais m'équiper pendant ce temps-là. Fais ça. Allez, vous équiper. Allez, super. Il est vraiment antipathique, ce petit Rouquet, non? Non, généralement, j'évite d'avoir des a priori sur les gens, on peut pas se le permettre dans les affaires. Mais lui, là, je l'aime pas. Et vous? Moi? Oh, je ne sais pas, je... Oui, bon, d'accord. Bon, allons jeter un œil sur les documents. Oui, bien sûr, voilà. Oui, bon, bah, c'est le contrat type, quoi. Vous avez un stylo? Oui. Tenez. Dites-moi avant que je signe. Vous allez me donner votre avis. Je ne vais probablement pas le suivre. Mais j'aimerais bien entendre votre avis, rien qu'une fois. Dites personnellement, vous pensez que je devrais acheter cette maison? Oui ou non? Pas oui ou non? Non. Pourquoi non? Trop cher? Non. Trop de travaux? Mal situé? Qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle a ça. Quoi ça? C'est la lettre de votre femme. Et alors? Elle lisait là. Non, chérie, ça ne te surprendra pas. Je serai parti. Enfin, dans un courage. Enfin, toujours. Au revoir, Elisabeth. Mais ça, je veux dire que. Évidemment, c'est plus pareil, parce que. Qu'est-ce qu'il a? Il a que... Il allait bien il y a 5 minutes. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Il a lu la lettre. Mais il avait signé avant. Non. Et merde. Excusez-moi, mais merde. Pardon. Vous allez me prendre. Mais non, on comprend. Vous bidez pas pour nous. Moi, de toute façon, je dois partir. Je savais que ça m'arriverait. Ça m'est déjà arrivé. Avec votre femme? Faut jamais leur faire confiance. Elle vous a déjà quitté? Non, mais pas celle-là, la première. J'en ai eu 3, j'en ai enterré une et 2 m'ont quitté. Eh oui, c'est la loi des séries. C'est pas juste, vraiment. C'est encore j'étais dragueur, mais y a pas plus honnête que moi. D'ailleurs, ils le l'ont dit à la mairie le jour du mariage. On entendait que ça. Vous avez tiré le bon numéro, madame Labarge. Tout le monde lui disait, même le maire. Même ce type, là, Maxime de... Enfin, ce type important, là, Maxime de mes choses, là. Lui, il lui a dit pareil. Il peut pas se permettre de dire n'importe quoi, vu son boulot. Il est banquier. Je crois qu'il délire. De la barge. De la barge. Ah, mais qui êtes-vous? Serge Rouquet, monsieur Labarge. On dirait l'ange de la mort. Bon, d'accord. Demain, à la première heure. J'espère qu'il sera dans de meilleures dispositions. Ça y est. C'est fini. C'est la fin. Le rideau est tombé. Finita la comédia. Terminus, cling, bang, tout le monde descend. Alors, je me casse. Non, mais vous n'allez pas nous laisser comme ça. Aidez-moi au moins à le monter dans sa chambre. Vous avez vu la tête qu'il a? Il est violé. Oui, mais il y en a marre. Monsieur Labarge, je me demande si vous ne devriez pas vous coucher. Il vaudrait peut-être mieux que vous vous couchiez, monsieur Labarge. Hein? Prenez-lui le bras, s'il vous plaît. Faut jamais faire confiance aux bonnes femmes, jamais. Elles voient en vous qu'une planche à billets. Allez, debout, hop là. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez de la chance de ne pas être une femme. Effectivement, c'est une chance. Mais sans ça, je vous aurais collé un pain, moi. Bien sûr, allez, on monte. Hein? On monte. On va monter, c'est bon, 2 minutes. Là. Ça va aller. Vous n'allez pas le croire, hein. Je lui ai dit, on partage tout, pratiquement tout ce que je possède est à toi. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Non, pas du tout. Elle a répondu.
Elle est bien bonne. Elle a dit, et moi, tout ce que je possède est à toi. Voilà, la seule petite différence, c'est qu'elle, elle avait rien. Vous savez ce que c'était, la dot de cette petite pétasse frigide avec ses jambes arquées, danseuse minable. Hein? Vous savez ce que c'était? Une carte d'abonnement à l'année au Vita Top Montparnasse. Ah, bon. Vous voulez que je vous dise un truc énorme? Pendant tout le temps où on a été ensemble, hein, je ne l'ai jamais vu se gratter, jamais. C'est hallucinant, ça. C'est une vraie raison pour obtenir le divorce. Hein, Michon? Hein? Incapacité de se gratter. Vous êtes d'accord, là? Oui. Oui ou non? Oui, enfin, peut-être. La chambre nuptiale. Il y a de quoi rire. Hein? Vous voulez que je vous dise? Oui. Allongez-vous, vous vous sentirez mieux. Enlevez-lui ses chaussures. Non, mais écoutez-moi. Vous savez pourquoi j'ai acheté ce matelas? Son matelas orthopédique, acheté à son instauration. Il y en a qui disent instigation, mais moi je dis instauration. Ben, je l'ai acheté pour permettre aux grosses épaules de madame de se détendre. C'est franchement aussi confortable que de dormir sur l'autoroute. Ah! Je ne crois pas que la vente soit forcément foutue. Une bonne nuit de sommeil, il aura peut-être encore envie de signer. Et vous trouvez que c'est le bon moment pour en parler? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez quelque chose? Un cognac dans un grand verre. Allez-y, vous. Oui. J'y vais. Oui, mais il y en a marre. Mais enfin, vous ne préféreriez pas un grand verre d'eau, monsieur Labarge? Écoutez, Michel, je suis désolé de m'effondrer devant vous comme une merde. Mais non, je vous en prie. J'arrive pas à réaliser. Je me dis sans arrêt que ça doit être une blague. Oui, peut-être. Mais non, c'est pas une blague. Il n'y a aucun sens de l'humour. C'est pénible, c'est sûr. Tiens, attendez. Bougez pas. Ah non, ça va pas, non, c'est glacé. Mais ça va vous détendre. Je peux vous demander un très grand service, monsieur Michaud. Vous voulez pas dormir là? Hein? Merci infiniment. Je suis très isolé ici et quitte à crever, j'aimerais autant pas crever tout seul. Oui, mais alors là, quand même, c'est un peu... Non, mais c'est pas une nuit à rentrer à pied. Puis faites-moi confiance, il n'y a pas pire que de dormir au Globe. Oui, mais il va falloir les appeler pour la clé, parce qu'il va y avoir un problème avec la clé. Hein? J'oublierai jamais ce que vous faites là, Michon. Attendez-moi là, je vais vous chercher un pyjama pour la nuit. Et voilà. Mais alors, il est parti chercher... Bon, maintenant, je dois y aller. Vous n'avez pas de problème pour rentrer, monsieur Michaud? Non, moi, je reste. Il m'a demandé pour la nuit. Très bien, ça. Parfait. Je repasse demain dans la matinée. On essaiera de le faire bouger sur la vente. Non, parce que si je voulais chicaner... C'est vrai. Moralement, il s'est engagé. Bien sûr, je sais. Sur le plan juridique, ça n'a aucune valeur. Non, aucune. Remarquez, dans l'état où il est, si on lui mettait le contrat sous le nez, hein. Non, mais enfin, nous ne contraignons aucun de nos clients contre leur plein gré, monsieur Rouquet. Déontologiquement, c'est une atteinte à tout. C'est considéré comme par conséquent, hein. Oui, bon, d'accord. Merci, bonne nuit. Qu'est-ce que vous faites? Halte! Qui êtes-vous? Monsieur Rouquet? Rouquet. Serge Rouquet, le propriétaire. Propriétaire de quoi? De cette maison. Je crois qu'elle appartenait à Monsieur Labarge. Monsieur Labarge a loué. Pour l'instant, il l'a loué meublé. Ah, je vois, puis en échange, il voulait ses cigares, lui. Pas du tout, je vous en prie. Il me les a offerts très amicalement. Très amicalement, oui. Il est où, Monsieur Labarge? Dans sa chambre. Il a reçu une lettre. Une lettre? De ça. De sa femme? Oui, vous êtes au courant? Ben, c'est ma sœur. Ah, c'est à vous, la moto qui est dehors, là? La Yamaha? Ouais. Je viens de la bugner, moi. Comment ça, bugner? Bah oui, elle était mal garée dans l'heure complet, alors paf. Mais c'est grave? Non, il y a un bouquet tombé, mais ça n'a pas l'air important. Maintenant, elle ressemble à une Yama ou alors une Mat, tout dépend du bouquet tombé. Oh là, faut que j'aille voir. C'est une moto que j'avais empruntée à un client. Ah oui, alors là, vous allez avoir un os, hein. Désolé, hein. Voilà, tenez, mettez ça, c'est un pyjama maison. Ah, merci. Elle a laissé des tonnes d'affaires, rien que l'odeur, ça me fout le bourdon. Ah, c'est vrai, le parfum, c'est très personnel. C'est pas son parfum.
Non, non, c'est tous ces machins qu'elle utilisait, les embrocations, les crèmes de tout type. Elle se tartinait les muscles avec avant de se coucher. La nuit, je croyais dormir à côté d'un cheval de course. Je ne pourrais pas supporter cette odeur. J'arriverai pas à dormir ici sans blague. Prenez cette chambre. Vraiment? Le lit est dur comme du bois, mais au moins vous serez au sec. Donc vous êtes sûr que ça va aller? Mais oui, la chambre Marona, c'est fait, je vais y aller. Je vais prendre 3-4 somnifères. Ah, j'en prends jamais, mais là, il me faut un petit coup de main. Bon, eh ben. Bonne nuit. Bonne nuit. Michou. Oui? Je me suis trompé sur votre compte. Vous êtes un brave type. Merci. Bernard? Bernard, ça va? Bon, ça a l'air d'aller. C'est Michaud. Un petit instant, s'il vous plaît, je... Ah, d'accord. Vous avez besoin de moi? Vous avez entendu? Ça gargouille encore. Pas dormir dans la chambre Marona, non plus. Ça pue l'écurie, elle y a dormi aussi. Je vais monter dans le gourbi de la mère Prévost. Je serai juste au-dessus de vous. Mais où elle est, cette pioule? Par coucher dans le lit de la mère Prévost. Allons. Quoi? Ah merde, ça fuit, il manquait plus que ça. Ah, quelle salope! Et te l'envoyer à coups de pied sur le tribunal des divorces, moi ça va pas traîner. Ses pieds toucheront pas terre. Allô, c'est l'hôtel du Globe? Monsieur Michaud, l'appareil. Écoutez, je ne vais pas pouvoir vous rendre la clé cette nuit, je suis bloqué. Non? Oui? Oh, ben non, je suis désolé que vous le preniez comme ça. J'en prends bonne note, c'est ça. Plus jamais les pieds. Bonne nuit, madame Michaud. Non, madame Le Ponce. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est plein de confettis, mais elle est complètement malade, la mère Prévost. Je vais la lourder aussi, celle-là, ça va pas tarder, tiens. Ah. Ah.
sais bien que je reviens toujours. Je suis à toi. Oh, prends-moi maintenant. Oui, prends-moi. Caillot, Caillot. Enfin, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Ma fille n'est pas en danger, mais je voudrais me dégager sans la réveiller. Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne doit pas être le fantôme. Le quoi? Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici pour Monsieur Labarge. Je conseille Monsieur Labarge. Tiens donc. Oui, rebonjour. Qu'est-ce que vous faites au lit avec elle? Je me pose la même question. Si ça n'est pas Rita la Rouge, qui est-ce? Hein? Et vous me prenez pour un con? Je répète, qu'est-ce que vous faites au lit avec Madame Labarge? Quoi? Madame Labarge? Madame Labarge? Madame? Elle est Madame Labarge? Cette madame-là, Madame Labarge, elle est là? Vous le savez très bien, dit Fumier. Il vous signale aussi que c'est ma sœur. Votre dame, la sœur. Maintenant, fermez-la et sortez de cette chambre. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je suis désolé. Évitez de la réveiller. Hein. Pas la peine de l'humilier inutilement. Psst! Monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Je pourrais m'extirper si vous la teniez. Je me glisserais sans la réveiller. Oui, bon, ok, d'accord. Doucement. Doucement. Elle est costaud, hein? Une danseuse. Elle doit danser sur les mains. Oh, excusez-moi, certainement. Je ne suis pas le mauvais bougre. Je pourrais appeler les flics et vous faire coffrer pour effraction, viol, abus de confiance, etc., etc. Mais je préfère écouter votre version des faits avant. Je vous écoute, dites ce que vous avez à dire. Eh bien, c'est très simple. Voilà, tout bonnement, je suis venu à la place de Sinevski, de Monsieur Sinevski. Bref, à sa place, pardon. Pour le contrat de Monsieur Labarge. Et hier soir, on devait appâter M. Rouquet pour les travaux. Et puis là-dessus, il est arrivé la lettre de Mme Labarge. Alors on a dû annuler le globe, à cause de l'odeur des crèmes. Et M. Labarge a dormi là-haut et moi en bas. Et c'est après que j'ai confondu avec cette histoire de Rita la Rouge. Mais ça, c'était une erreur. Voilà, voilà toute l'histoire. En gros. Bien, vous vous défendez pas mal. Maintenant, répondez à une seule question. Où est Bernard Labarge? Au-dessus, là-haut? Là-haut. Au grenier, au-dessus de votre sœur? Certainement pas. Alors la première erreur, mon petit ami. Il se trouve que ma fiancée y est dans le grenier. Alors trouvez autre chose. Mais il y est. Bon, ça suffit maintenant. Hein. Mais il y est. Très bien, on va voir. Non. Nom de Dieu. Quoi? Où est Martine? Mais vous voyez bien que c'est Monsieur Labarge. Ah oui, j'ai vu. Où a dormi Martine? Alors là... Martine! Seigneur Dieu. Mais où est-elle, bon Dieu? Vous l'avez pas vue, vraiment? Non, j'ai trouvé cette lettre. Quoi? Là, avec les somnifères.
C'est pas vrai. Il a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je te demande pardon. Cette vie ne me convient pas. C'est dur, mais je dois te quitter, cette fois pour toujours. Pardonne-moi. Oh, mon Dieu. Quelle triste fin. Dans la chambre de la mère Prévost, en plus. Pauvre Bernard. Eh oui. Regardez-moi ça. Une cuvette, un verre. C'est comme s'il avait essayé de dresser un hôtel après avoir bousillé la salle de bain. Il vénérait Elisabeth. Il... Qu'est-ce que c'est que ces merdes, là? On dirait des confettis. Mon Dieu, c'est affreux. Il a dû déjanter. Oui, c'est affreux. Premièrement, comment on va l'annoncer à ma sœur? Il me semble que la meilleure chose à faire, c'est de la laisser dormir. Il est vivant. Le cœur bat. Faible et arythmique, mais il bat. Aidez-moi. Pardon? Il faut le faire marcher jusqu'à ce que l'effet des somnifères se dissipe. Ah oui, d'accord, oui, très juste. Mettez-lui ses mules. Oui. Mettez-lui ses mules. Alors, qu'est-ce qui se passe, là, hein? Rien, Bernard, rien. Ah, mais foutez-moi. Rien du tout. Allez, allez. On va faire un petit tour, Bernard. On va faire un petit tour. Un tour, où? Je ne peux pas aller faire un tour au milieu de la nuit. Oui. Il n'arrête pas de me marcher sur les pieds. Mais vous êtes complètement fou, quoi. Il ne faut pas que Babou le voie dans cet état-là. Ah. Amenons-le dehors pour qu'il respire. Oui. Écoutez, les gars, maintenant, j'en ai marre. Oui, ben nous aussi, mais il faut rester éveillé, Bernard. Il faut rester éveillé. Mais pourquoi? Parce que... Ah, salut, Michou. J'ai pris des somnifères. Je suis dans le cirage. Ben, on sait. On a vu la lettre. Mais tout le monde l'a lu, maintenant. Tout le monde va se foutre de moi. Mais non. Non, écoutez, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'aille dormir. Allez. Mais qu'est-ce que je fous dans le jardin? Vous voulez que j'attrape la crève? Rentrez-moi immédiatement. Ben d'accord. Vous êtes complètement marteau. Vous me foutez dans le jardin en pleine nuit. Ah, faut faire marcher. On pourrait pas le poser. Mais non, faut qu'il marche. On est parti, Bernard. Faut lui parler. Allez, chantez, mon vieux, chantez. Mais quoi? J'ai pas d'idée. N'importe quoi, on s'en fout. Un kilomètre à pied, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Qu'est-ce que vous dites? T'as les Roussel, la trois maisons, qui n'ont ni poutre ni chevron. C'est le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit non. Merde, ça va bien. Non, on a déjà fait de tout. Un fiacre à l'étrottinant. Hop là, vide. Vous êtes complètement siphonné. Dodo, l'enfant de... Mais vous êtes fou. Boire un petit coup, c'est agréable. Faut que je m'arrête, juste une minute. Oui. Ce qu'il lui faut, là, c'est un tonique. Allez voir s'il en a dans sa pharmacie. Attention, il glisse. Oh, Bernard. Bernard, debout. Mais debout, vous. Non, je sais pas si vous vous rendez bien compte de la nuit que j'ai passée. Ma femme m'a quitté. Foutez-moi la paix. Et laissez-moi dormir. Eh ben, allez-y. Oui, je reviens dans une minute. Hein. Ne réveillez pas ma sœur. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi Martine m'avait quitté. C'est vrai, hein? Même aujourd'hui, je ne saisis pas son comportement. Mais sortez-moi de là, j'en ai marre! Ouais! Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais. Nous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous le bercez ou quoi? Je comprends pas, j'ai pas arrêté de lui parler. Allez, il est inconscient, on va le faire là. Allez, venez, chantez, mon Dieu, chantez. C'est nous, les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine. Merci, les gars, merci. Ça marche. Je vous remercie du fond du cœur. Chaque année, à cette époque, nous autres, la direction, aimons venir bavarder un peu avec vous, les gars des ateliers. Je suis certain que pas un seul d'entre eux... On ne sait rien, il les a loués que ça. Alors qu'il terminait sa dernière soudure de la journée, pas un seul d'entre vous ne s'est demandé à quoi ça rime, hein, je trouve faux.
Et pourtant, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous fabriquez? Bernard? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Rien. Il n'est pas sous à cette heure-là, quand non, même. Non, il est juste... Rebonjour. Qui est-ce? Oh, c'est un type de chez Legrand, Lebert et Mouchavski. C'est Sinevski. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, il en a pris quelques-uns. Quoi? Il a pris des pilules, vous comprenez? Pour l'aider à oublier. Alors, ben voyez-vous, il est mal parti, quoi. Marc, je voudrais une explication. Non, écoutez, c'est très simple. Vous, taisez-vous! Bon, d'accord. Allez, sois forte, ma grande. Hein. Bernard a tenté de se tuer. Bernard? Oui. À cause de moi? J'ai l'impression. Mais comment est-ce arrivé? Tu veux vraiment le savoir? Oui. Ben, hier soir, il est monté dans le grenier, il a pris des somnifères, il s'est couché tout seul. Il a juste écrit un petit mot, la vie n'est plus que de la merde pour moi. Il a écrit ça? Enfin, grosso modo. Alors moi, ce matin, je suis allé voir si Martine allait bien. Voilà. Oh, Marc! Celui-là, celui-là. Oh. Donc, tu as dit qu'il a dormi au grenier? Oui. C'est impossible. Pardon? Non, puisqu'il a dormi avec moi, enfin, jusqu'à ce matin. Tu en es sûre? Ah oui, alors là, je peux te l'assurer, oui. Ah. Alors, il y a quelqu'un qui me ment. Non, parce que s'il dormait avec moi ce matin, il ne peut certainement pas avoir été dans le grenier. Alors évidemment, il aurait pu monter dans le grenier après avoir passé la nuit avec moi et là prendre ses cachets et écrire le mot. Oui, ben voilà, c'est sûrement ce qui s'est passé. Eh bien, ça ne concorde pas avec l'histoire selon laquelle tu l'as vu monter dans le grenier hier soir. Non. Ah bien sûr, il y aurait une autre hypothèse, c'est que ce n'était pas lui. Dans le grenier? Non, dans le lit avec moi. Oh, oui, tiré par les cheveux. Qui était-ce, Marc? Quoi? Qui était dans le lit avec moi? Moi. Vous? Oui. Rebonjour. Ah, je vois. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez dans mon lit? Et pourquoi vous n'avez rien dit lorsque je me suis couché près de vous? Ben, c'est-à-dire que je vous ai pris pour une autre. Quelqu'un de particulier? Écoute, Babou, tout ça est atroce. Gênant, c'est pas le moment d'en parler. Pourquoi? J'ai passé la nuit avec ce type et c'est la première fois que je vois son visage. Monsieur Bichot, je vais vous demander de sortir immédiatement de cette maison. Ça ne vous ennuie pas? Non, pas du tout. Vous avez des vêtements? Oui, oui, ils sont dans la salle de bain. Ma salle de bain? Dans le placard séchoir. Mais vous veuillez les retirer immédiatement, je vous prie. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, excusez. Et plus vite que ça. Oui, bien sûr. Tenez, bien sûr. Ma pauvre chérie, quelle nuit t'as dû passer, ça a dû être affreux. Non, pas tellement, justement. Ah bon? Tu pourrais pas siffler pour l'empêcher de ronfler, parfois ça marche. Ok. C'est la lettre d'adieu de Bernard, tu veux le... Oh non, pas maintenant, je pourrais pas, la pose-la ici. Tu sais, Babou, je suis drôlement inquiet. Martine a disparu. Je l'avais couché dans le grenier hier soir. Là où était Bernard? Oui. Mais c'était combien là-dedans? Mais voilà le hic, je ne sais pas, justement. Elle y était plus. Alors que faire? Je te le demande. Et ça continue. Je me crève à leur parler et ils dorment. Où allez-vous? Je cherche un endroit pour m'habiller. Bah, montez au-dessus. Ah, d'accord. Excusez. Je m'habille. Mais pas de passé, hein? Mais, non, mais j'ai jamais eu. Hein? Vous non plus, hein? Quoi? Vous non plus, vous ne me touchez pas, hein? Y a pas de risque. On est d'accord. C'est bien.
Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça vous regarde pas, hein? Et attention, et pas de blague, hein? Sinon, mon fiancé vous tombe dessus et il est épais, mon fiancé. Vous voyez ce que je veux dire? De quoi parlez-vous, là? Qu'est-ce que vous faites Oh, bordel, j'oublie toujours le nom de cette baraque pourrie, là, à Grognonieux. À Recogneux? Oui, à Recogneux, oui, merci. Vous êtes qui? Brice Michaud, je suis en quelque sorte le notaire de Monsieur Labarge. Vous pouviez pas dire plus tôt, non? Excusez-moi. Pas grave. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce placard? J'étais coincée. Mince. Ouais, toute la nuit. Mais dedans, ça a dû être long. Bon, je vais me changer à côté. Bonne chance. S'il vous plaît. Oui? Vous pourriez pas m'aider? À quoi? Je m'enfuis. Ah bon? Pourquoi? C'est à cause de mon fiancé. Ah, le type épais, c'est lui que vous fuyez? Non, pas vraiment, mais... Enfin, si, principalement. Qu'est-ce qu'il a? Mais il veut toujours m'obliger à faire des choses. Ah, c'est pénible, ça. Quoi, pénible? Ah non, 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 ça me gênerait pas, non, mais il veut m'obliger à m'épouser et puis à tenir un magasin de pêche à Carnac. Très joli coin. Oui, mais moi, je veux pas ça, vous comprenez? D'ailleurs, même ça, il y arrivera pas, alors. Il peut pas vivre sans sa grosse mère. Elle le laissera pas partir, elle est amoureuse de lui. Si elle avait pu m'empoisonner, elle l'aurait fait. C'est une grosse vache fielleuse. Les types comme lui, ils veulent toujours vous obliger à suivre leurs idées. Et comme vous n'en avez pas d'autres à leur proposer, eh ben, vous vous sentez coupable. Alors que la seule chose dont vous êtes sûr, mais c'est que vous n'avez pas envie de suivre leur idée et de supporter leurs problèmes de famille. Vous comprenez? Vous pigez? Oui, je crois que j'ai saisi. En gros, hein. Voilà. C'est la première fois que je raconte ça à n'importe qui. Non. Si? Vous voulez mon avis? Si vous ne voulez pas vivre avec une grosse vache fielleuse ou épouser un magasin de pêche, eh bien ne le faites pas. On n'a pas à se mêler de vos affaires. Vous êtes très bien comme vous êtes. Bien sûr. Vous avez un visage, comment dire, qu'on a envie de connaître. Y a quelqu'un? Bonjour, monsieur Labarge. Excusez-moi si je vous... Bonjour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh la vache. Bon Dieu. Alors là, c'est la tuile. C'est l'énorme tuile. Monsieur Labarge, réveillez-vous, réveillez-vous, il faut vous réveiller. Ah, mais ça suffit, n'est pas, mettez-moi un peu. Madame, réveillez-vous, s'il vous plaît. Il faut vous réveiller, réveillez-vous. Comment? Il faut vous réveiller, allez. Mais tu vas te réveiller, oui ou merde? Ils sont en haut, mes chaussons sont plus d'hommes, faites pas mal. Je suis fragile, je suis danseuse, pour l'amour de Dieu. Oh, Bernard, allez. Bernard. Lâchez-moi, ça te folle. Bernard, oh. Bernard, allez. Qu'est-ce qui se passe? Bernard. Et veux-tu laisser ma femme? Espèce de petite salope. Mais c'est ta femme. C'est pas si bien. Non, mais... Salope. Comme ça, hein? Non, fuir. Attention, ma boue, bloque-le! Ça y est, je le tends! Tiens, le bien, ma boue. Je vais lui donner une leçon, moi. Ma femme est danseuse. Et elle a des jambes puissantes et bien entraînées. T'entends? Si tu continues encore à te tortiller comme un rat, j'ai qu'un mot à lui dire. Et elle te brise le cou. Compris? Hein? Hé, t'as qu'à couper, hein? Fumier! Je vais chercher du secours. Grouille. On va le ligoter, puis on appelle les flics. Hein? Oui? Ramène-toi, ça urge. Quoi? C'est urgent. À toi, c'est sûr. Il y a une fille, s'il n'y en a pas d'autres. Ce genre de salaud, c'est comme les rats. Ça s'en monde. Qu'est-ce qui se passe? On l'a chopé un rôdeur. Il a tenté de nous agresser. Je me suis réveillé, je l'ai vu essayer d'étrangler Elisabeth. Mon Dieu, mais où est-il? Il est venu à moto, sa moto est juste dehors. Il est toujours sage? Oui. Bien joué, ma grande. C'est marrant. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui est marrant? Quelle tête il a? Ah, bah, je sais pas, on l'a pas encore démasqué. Bon, vous grouillez ou quoi? J'ai reconnu la moto, vous pouvez le lâcher. Oh non, là, certainement pas. Qu'est-ce que je raconte? Elisabeth est tout simplement en train d'étrangler Rouquet entre ses cuisses. Qui? Propriétaire. Oh non.
Mais si. Eh oui, c'est bien lui. Bonjour, mon cher Rouquet. Ah, vous êtes monsieur... Basset. Marc-André Basset. Bah, allez, relevez-vous, Rouquet. Qu'est-ce que vous faites par terre? Je te présente, monsieur Rouquet, chéri. Vous connaissez ma femme, Elisabeth? Non, je n'ai pas eu ce plaisir. Enchanté, madame Labarre. Écoutez, Rouquet, elle est confuse. Mais il n'y a pas de mal, vous ne pouviez pas savoir. Mais si, c'est sa faute. Non. Si. Non, non. Si, si, si. Non. C'est ma faute à moi. Excusez-moi. Prendra bien un petit cognac. Autre chose? Non, merci. C'est encore un peu tôt pour moi. Ok, d'accord, un petit cognac. Ça va nous faire du bien, ça. Il n'en veut pas, Bernard. Et toi? Non, moi non plus, non. Ah bon, bon, d'accord. Alors, comme vous voulez. Alors, asseyez-vous. Personne ne veut du thé? Mais non, personne ne veut thé, hein? Non. Vraiment pas à l'heure de prendre du thé. J'espère que je n'ai pas abîmé votre casque. Pas du tout. C'est prévu pour ça. Enfin, c'est fait pour les accidents. Quelqu'un veut un Bloody Mary? Ça, c'est une boisson du matin. Non. Non. Non, merci. Oh bon. En fait, j'étais passé pour... Pourquoi? La signature de... Ah, ah, bah oui. Bah oui. Et comme madame Labarge est revenue... Ma femme n'est jamais partie. Mais bien sûr, mais... Rien ne nous empêche de concrétiser la vente. En ce qui me concerne, non, rien. Bien, bien. Là, il ne reste plus qu'à à trouver Michaud, il est toujours là, lui. Oui. Il ne veut pas partir? Il doit s'habiller, là, en ce moment. Ça, c'est très vrai. Franchement, Rouquet, vous avez pensé que j'allais me foutre en l'air avec des somnifères? Ben oui. C'est pour ça qu'on chantait avec Michaud. C'était pour te tenir éveillé. Ah, c'est pas vrai. On peut dire qu'il s'en souviendra de sa nuit reconnue, Michaud. Ah, oui. Et finalement, il a dormi où, Michaud, au grenier? Mais non, dans le grenier, il devait y avoir Martine. Ta Martine, elle est revenue? Oui. Oh, pauvre vieux. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Mais Michaud, alors, il a dormi où, avec toi? Pas du tout. Non, il était... Ailleurs. Il était ailleurs. Ailleurs. Il était ailleurs. Ah ben non, il n'était pas ailleurs. Je m'en souviens maintenant, je lui ai donné notre lit. Hier soir. Ah oui? Si tu le dis. Excusez-moi, je vais mettre quelque chose de plus habillé. Oui, bien sûr. Le mois dernier, on a reçu des parents de ma femme à la maison. Et alors? On a dû partager des lits. J'ai dormi avec l'oncle René, le tapissier. Ah bon? Et alors? Mais alors, rien. Je dis ça comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, Michaud? Il en fait trop. Il en fait beaucoup trop. Bon. Vous savez ce qui va nous faire du bien? Un calva, c'est idéal, à 8 h du matin. C'est pas OK que c'est idéal. Je sais pas, c'est peut-être un peu... sur le café crème. Allez, vous faites pas prier. Marc en prend. Martine est de retour, il va en avoir besoin. Mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est l'écriture de Martine, ça. Le problème, c'est de signer cette putain de vente. Elle est pour moi, cette lettre. Pardon? Dis, Marc, trouve-moi un Michaud maintenant et amène-le ici. Invraisemblable. On va fêter ça, OK? C'est pas un peu fort, le calva? J'avais de la vie. On en met dans les biberons. Ah, bon. Monsieur Michaud. Bonjour. Je vois. J'ai compris. Vous voulez bien sortir de cette chambre un instant, je vous prie? Oui. Merci. Je vais lui expliquer. Ah oui, ne vous en faites pas. Aucune importance. Mais je crois qu'il croit que... Soyez franc, Michaud. Oui. C'est pas toi que je parlais, c'est à Michaud. Eh ben, c'est moi qui suis là. Bon, alors Martine, écoute-moi bien. Sois franche et directe, hein. Je veux pas d'explications miteuses ou de mensonges. Je veux simplement la vérité, tu m'entends? Martine, qu'est-ce que vous faisiez tous les deux sur ce lit? On s'est envoyé en l'air comme des bêtes, si tu veux vraiment le savoir. Tous les deux délirants. Paf, paf, paf. Quoi? Délirants, hein? Excuse-moi, je suis crevée. Je te crois pas. C'est pas son genre.
Si c'est son genre. Martine, qu'est-ce qui t'arrive? D'abord cette présomption de racolage, et maintenant, paf, paf, paf. Il m'a demandé de vivre avec lui. Quoi? Je vais peut-être accepter, ça me tente énormément, il est milliardaire. Il a des maisons à Cannes, à Deauville, un élevage de chevaux. Il a aussi un élevage de chats siamoises. Mais c'est faux, il travaille au cabinet Legrand et Machinski, là. Chez qui tu parles? La boîte est à lui. C'est pas ce qu'il m'a dit. Pourquoi il t'en parlerait? C'est pas toi qui veux, hein? C'est moi. Non, mais t'inquiète pas, je sais très bien qu'il va me laisser tomber quand il en aura marre. Hein. Et puis après, c'est ça l'aventure. Ah, je vois que tu as lu ma lettre. Oui, et ben justement... D'ailleurs, ben tout est dit. Salut. Partez-nous. Vous n'êtes pas obligé de partir, Maïs? Si, si, c'est, ça vaut mieux. Si. À plus tard, alors? Oui, oui, oui. Rebonjour. C'est une situation délicate. Je vais faire appel à ce qui a peut-être donné en vous, Michaud. Oui. Bas les pattes. Comment? Laissez Martine tranquille. Je la connais. Depuis 10 ans. Et vous, depuis quand la connaissez-vous? Environ 20 minutes. C'est peu. Oui. Désolé. Vous êtes un rapide. Hein. Vous lui avez tapé tout de suite dans l'œil. Vous croyez? Quand je pense qu'elle a refusé de m'embrasser pendant des années. Incroyable, non? Alors, écoutez. Martine est une brave fille, mais pas très futée. Je dirais même qu'elle est franchement idiote, mais c'est une brave fille. Et j'aimerais pas que vous la laissiez tomber dès que vous en aurez marre. Comme vous faites avec vos chattes siamoises. Soyez gentils. Allez élever vos chevaux et foutez-nous la paix. Chattes siamoises. Oui, c'est certainement. Je vais leur en parler. Hein. C'est ça. Je crois que monsieur Labarge et monsieur Rouquet vous attendent en bas. Bon sang, il m'attend. Pas un mot. C'est compris, Michaud. Ah, le petit Michaud, il arrive juste pour le calva. Désolé, j'étais avec... Désolé. Alors, Brice, on a bien dormi? Guillaume. Monsieur Rouquet, vous voulez pas aller lui chercher un verre? Moi? Ça vous ennuie pas? Je veux simplement lui dire un petit mot avant de signer. Bien sûr, pas de problème. À la loyale. Voilà, j'ai toutes les... J'ai toutes les additions. Ah, je veux dire, les clauses additionnelles. Mais on s'en fout. Autre chose, Michaud. Oui? Je vais être brutal, mais en l'occurrence, je pense qu'il vaut mieux. Je sais que quelque chose s'est passé hier soir entre vous et une autre personne que je ne nommerai pas. Épargnez-moi les détails. Je suis le mari, je préfère ne pas les entendre. Bon, écoutez-moi bien. Tout le monde le sait. Je suis un homme qui a remarquablement réussi. Remarquablement, oui. Et hop, nous voilà. Oui, dégagez, Rouquet, okay, merci. Oh, excusez-moi, bien sûr, excusez-moi. Et je suis très, très influent, pas partout, mais dans beaucoup de milieux. Alors, soyez sûr que je peux vous rendre la vie très, très difficile si jamais vous décidez de vous lancer dans la plomberie ou... dans quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. La plomberie, ça m'étonnerait. Je vous parle plus fin avec moi. T'as pas les épaules assez larges, mon petit bonhomme. J'espère qu'on s'est bien compris, là. D'accord, pas la plomberie. Si jamais j'entends encore parler de toi, je te réduis en blédine. Il y en a qui disent bousine, mais moi je dis blédine. Bon, alors, allons chercher l'autre andouille et signons. Sans ça, on sera jamais débarrassé de lui. Ah, tout baigne? Et tout à fait, tout à fait. Tant que monsieur Michaud est là pour arbitrer, je vais tout à fait bien. J'ai laissé mon chéquier près du téléphone hier soir. Si vous préférez payer en liquide, vous gênez pas. Je remontais ma valise. Un petit coup de champ? Non, pas à cette heure-là. Ah, comme tu voudras, si tu veux pas le fêter, ça te regarde. Fêter quoi? L'achat du château. Ah. Enfin, mais cache ta joie, enfin, bon Dieu, tenez-moi pour te faire plaisir que je l'achète. Merci, Bernard. Merci beaucoup. Elle s'est amourachée de ce petit salopard. Qui ça? Mais Martine, je viens de trouver couché avec Michaud. Sans blague? Oui, sans blague. Il est très actif, ce petit bonhomme, non? Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Mais tente le coup de plat 3 ou quitte-la. Mais je peux pas. Je peux pas. Tous mes projets sont fondés sur elle. Bon, écoute, hein, j'ai d'autres chats à fouetter. Tu sais qui vient d'acheter cette baraque? Ah oui, et alors? Eh ben, je la sens déjà qui se referme sur moi comme une prison. Tu m'excuseras, moi aussi, j'ai d'autres chats à fouetter. Où tu vas? Martine? Martine? Quoi encore? Je peux entrer? Ouais, si tu veux. Bonjour. Bonjour. Écoute, je me suis dit qu'on devrait peut-être faire le point tous les deux, une bonne fois pour toutes. Je croyais que c'était déjà fait. Mais écoute, enfin, c'est pas si affreux que ça, Carnac. Hein? Et la crêperie? On serait les patrons.
Ça te plairait pas? Toute cette liberté? Ouais. Enfin, ça vaut la peine d'y réfléchir, hein? Ouais. Non. À vous dire, Sinyavski, c'est signé. Allons, bon, ça recommence. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ma femme qui fait ses sauts de carte, vous en faites pas. Si elle passe au travers du plafond, vous applaudissez, ça lui fera plaisir. Bon, eh ben, bon voyage, Michou. Vous vous souvenez de ce qu'on a décidé? Oui, pas la plomberie. Oh, eh ben, dis donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ma femme, en pleine séance d'assouvissement. Certains disent... Assouplissement. Vous dites assouvissement. Pas vrai, Bernard? Je demande pardon. Rien. Vous voyez le plafond qui fléchit quand elle saute? Enfin, là, c'est très léger. Si je lui demandais de faire ça au grenier, vous verriez la différence. Ouais, on préfère sauter votre femme pour tester les planchers. Pardon? Excusez-moi. Ah bon? Moi ça, Sergio. Ça, c'est du pur malt écossais. C'est plus franc que les saloperies qu'on a vues jusqu'à maintenant. Oh, mais c'est un très grand verre. Ça se boit comme de la limonade, ça. Je viens avec vous. Wow! Ah tu vois, moi je croyais qu'elle allait broyer du noir, c'est vrai. Professionnellement, elle est perdue hein, pour la danse. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur. Même le château lui est devenu brusquement agréable. Ah, les femmes sont imprévisibles. Tiens, Sergio, je te fais un petit mélange Campari-vodka. Alors ça, c'est une bonne boisson, ça. Avant d'attaquer l'apéritif, c'est... Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça.